Je trouve particulièrement important de célébrer les 5 ans de l'accord de Paris, notamment dans le contexte actuel de crise économique et sociale sans précédent, qui pourrait faire craindre que l'urgence climatique passe au second plan par rapport à tout ce qui est devant nous. Notre objectif, nous, c'est de proposer à tous nos clients, quels qu'ils soient, du particulier à la grande entreprise, en passant par les industries, des produits et services pour les aider à jouer leur rôle d'acteurs de la transition énergétique. Donc ça peut être, par exemple, un prêt à 1% pour aider quelqu'un qui veut changer son véhicule et qui veut acheter un véhicule électrifié, comme ça peut être une émission obligataire verte de plusieurs milliards d'euros pour permettre la construction d'une infrastructure d'énergie renouvelable. Nous avons fait de la transition énergétique notre priorité. Aujourd'hui, nous sommes un des leaders mondiaux en matière de financement des énergies renouvelables avec 16 milliards d'euros à fin 2019. Et nous sommes le 3e acteur mondial sur le marché des émissions obligataires vertes. Aucun acteur économique ne peut réussir seul dans cette aventure. Donc ce qui me semble très important, c'est d'agir en coalition, donc de fédérer les énergies. Donc il peut y avoir des coalitions d'acteurs financiers, comme par exemple les principes pour la banque responsable qui rassemble 200 banques qui ont toutes comme objectif de aboutir aux accords de Paris et de servir les objectifs de développement durable. Mais ça peut être également des coalitions d'acteurs très différents avec des ONG, des entreprises, des banques. Et je pense que c'est la clé de la réussite. Thank you.